la firme patio. Apágate, cosito y el Malgré son agenda de travail très chargé, ce jeudi, le président de la République est venu répondre à un devoir d'État à Gaborone, au Botswana. C'est en milieu des nuits que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à l'aéroport international Sir Sere Tshekama de Gaborone. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Botswana, Dr Lemogang Kwape, le président de la République démocratique du Congo et bientôt président en exercice de l'Union africaine, est venu participer au sommet extraordinaire de la Troïka de la Communauté économique des États de l'Afrique australe, SADC, sommet prévu ce vendredi 27 novembre. Ce sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC sera particulièrement consacré aux questions sécuritaires sur le terrorisme dans l'espace SADC, notamment en République démocratique du Congo et au Mozambique. La RDC sera particulièrement au centre des échanges, étant donné que la question de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, FAIB, sera largement évoquée en présence de représentants des très hauts niveaux des pays contributeurs des troupes à cette brigade, à savoir le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. C'est jeudi matin, au centre des conférences de Pâques à l'année, s'est tenue la réunion préparatoire du comité ministériel de l'organe en marge du sommet qui s'ouvre ce vendredi. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de la Défense, Ngoï Mokena, assisté des sous-chefs d'état-major général des FRDC, le général Jean-Claude Yave. Le sommet dans son ensemble est presque axé sur la République démocratique du Congo. La question du terrorisme qui frappe aujourd'hui la région de la SADC touche assez gravement deux pays, la Mozambique et la République démocratique du Congo. Voilà l'intérêt qui nous amène ici et qui amène aussi les chefs d'État à ce sommet extraordinaire. Nous attendons l'appui de la région. Vous savez que la SADC nous appuie depuis déjà longtemps. C'est aussi grâce à la SADC que nous sommes ce que nous sommes. Mais en même temps, nous devons donner aussi notre contribution à la SADC. La Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC comprend le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Elle a pour objectif général la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région SADC. Un grand ballet diplomatique au Palais de la Nation ce jeudi 26 novembre 2020. Des ambassadeurs, 9 au total, ont été reçus tour à tour par le président de la République pour des cérémonies de présentation officielle de leurs lettres de créance. Selon leur ordre d'arrivée, l'ambassadeur Joanne Tomana a franchi le premier le seuil du palais. Il a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en RDC. Âgé de 53 ans, il a assumé diverses charges, notamment celle de directeur adjoint de l'Université du Zimbabwe, de président de la Commission juridique anticorruption et de procureur général de la République. Succédant au diplomate zimbabwéen, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde en RDC a eu aussi les honneurs de la garde républicaine avant de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il a exercé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment au consulat de l'Inde à Tripoli en Libye, à Birmingham en Angleterre, à Athènes en Grèce et à Jalalabad, ville de l'Est de l'Afghanistan. Il parle français, l'anglais, le russe et les langues indiennes. Oren Rosenblatt est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en RDC, résidant à Luanda, en Angola. Dans sa carrière diplomatique, il a été notamment consul général de l'État d'Israël à Shanghai, en Chine, à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique et au Kenya. Un autre ambassadeur accrédité en RDC avec résidence à Luanda, en Angola, c'est Piotr Misliwiek. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a reçu en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne. Il a obtenu le doctorat d'État en technologie électronique. Son premier poste diplomatique a été à Abidjan, en Côte d'Ivoire,
où il exerçait les fonctions de chargé d'affaires intérimaire. Il a été ensuite ambassadeur en Angola et en République démocratique de São Tomé et Príncipe. Madame Pirjo Kaïssa Soumela Chodouri est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande en RDC. Elle réside à Lusaka en Zambie. La diplomate finlandaise a été accréditée comme ambassadeur au Nigeria, au Ghana, au Bénin et au Libéria. Elle assumera ensuite les mêmes charges d'ambassadeur de Finlande en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et au Comesa. Résident à Nairobi, au Kenya, Dr Christian Fellner est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche. Avant son accréditation à RDC, il a occupé les postes de premier secrétaire d'ambassade à Addis Abeba en Éthiopie et d'ambassadeur d'Autriche au Nigeria et au Kenya. Les Émirats arabes unis ont accrédité l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Aza Mohamed Fallah Kaharsan en République démocratique du Congo avec résidence à Kigali au Rwanda. Né le 20 décembre 1972, il a travaillé notamment au ministère des Affaires étrangères, au département de relations américaines. En 2018, il a été nommé ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda. Madame Alain Sehaï Meseretz Gelo est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérale d'Éthiopie en RDC avec résidence à Kampala en Ouganda. Elle a fait ses études académiques à l'université d'Addis Abeba avant de décrocher le master en administration des affaires à l'université internationale de Birmanie. Elle est mariée et mère de deux enfants. C'est par la dernière entrevue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le docteur Salomon Momot Christopher Djembe que s'est clôturée la série des cérémonies de présentation de lettres de créance. Salomon Momot est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Sierra Leone en RDC. Il est résident à Abuja au Nigeria. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger représentant la ministre d'État Marie Toumba Zéza en mission et les directeurs de cabinet Aïe du chef de l'État Désiré Cachemire, Kolongele et Berant ont assisté aux différentes cérémonies au Palais de la Nation. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont examiné ce jeudi 26 novembre le rapport de la commission mixte relatif à la proposition de loi modifiant la loi sur l'agriculture, mais aussi la proposition de loi sur les droits des peuples autochtones pygmées. Sylvie Moembo et Bernard Bodo ont signé ce reportage. Rapport de la commission mixte socio-culturelle, droits de l'homme et politico-administrative et juridique relatif à la proposition de loi modifiant la loi sur l'agriculture a été débattu au cours de cette plénière. Plusieurs amendements ont été proposés pour l'enrichissement du texte de la commission. Cette dernière a 5 jours pour toiletter le texte. Cette proposition de loi du député national Elvis Mutiriwa Bachara pourrait, dans son format final, inciter les bailleurs de fonds à investir dans ces secteurs. Pour un pays qui dispose des terres arables, l'agriculture peut s'avérer un élément moteur du développement et d'amélioration du revenu. Toujours sur la conduite du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagenkolo, la loi sur les droits des peuples autochtones pygmées, dont le rapport de la commission mixte a été adopté par la plénière à quelques jours pour intégrer les amendements dans les textes avant de le présenter à la plénière pour adoption finale. Les peuples autochtones pygmées sont parmi les populations ou le peuple vulnérable dans notre pays. Vous pouvez constater que beaucoup d'entre eux n'ont pas la possibilité de faire de bonnes études ou de faire des études comme nous autres. Ils n'ont pas la possibilité d'accéder aux soins de santé. Ils n'ont même pas la possibilité d'accéder, comme tout le monde, à la justice. Il y a plusieurs innovations dans cette loi. Notamment, pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays, les autochtones pygmées, les droits aux terres qu'ils occupent. Bon, moi, je suis vraiment satisfait. J'ai fait mienne ce qu'a dit mon collègue. Et moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est plutôt remercier la plénière. Remercier sincèrement les collègues qui ont accepté d'adopter cette...
batio, sale la cara de la cara, firme batio, sale la cara de la cara, firme batio, sale la cara, firme batio, sale la cara de la cara.